premier des crus classés du Bordelais à s'être converti à la biodynamie. Et nous sommes avec son propriétaire, Alain Mouex. Merci Bonjour. De nous recevoir ici. Avec plaisir. C'est quoi la biodynamie? La biodynamie, c'est une approche holistique de la nature dans laquelle on considère que tout est en interaction avec tout. Et donc, on va s'intéresser à l'environnement de la vigne au sens large, aussi bien l'environnement proche, c'est-à-dire le pied de vigne et le sol, que l'environnement lointain avec l'interaction des... l'influence des astres, de la position de la Lune devant les constellations, etc. Avec comme idée le principe qui consiste à passer beaucoup de temps à observer, à essayer de comprendre où la nature veut aller, pour toujours l'accompagner dans ses phénomènes naturels. Pourquoi, en tant que vigneron, vous vous êtes intéressé à cette technique de la biodynamie ? J'utilisais, bon, comme tout le monde, beaucoup de produits chimiques que j'avais envie d'éviter. Donc j'ai regardé quelles étaient les alternatives, j'ai vu l'agriculture biologique, je pensais que c'était un très grand pas en avant. Mais j'ai aussi découvert la biodynamie qui me paraissait aller plus loin et peut-être permettre d'arriver à une position d'équilibre, sachant que dans la nature, il n'y a que ce qui est équilibré qui est pérenne. Donc voilà, j'ai voulu aller jusqu'au bout et j'ai opté pour la biodynamie. Ce choix de la biodynamie, ils ne sont qu'une vingtaine de vignerons à l'avoir fait dans le Bordelais. Concrètement, Alain Mouex et ses confrères ont remplacé les pesticides et autres produits chimiques par des tisanes. Thierry Valette, lui aussi vigneron, prépare une solution de silice à pulvériser pour renforcer la croissance de la vigne. C'est pas du tout une croyance. Les biodynamistes...